Bonjour, voici le bulletin de ce jeudi 11 octobre en début de matinée. Les conditions météorologiques resteront encore instables pour aujourd'hui, avec même des averses orageuses qui devraient aborder la façade atlantique plutôt en deuxième partie d'après-midi. Et pour la tendance, nous garderons ces conditions toujours agitées avec du vent et même des orages. Vous le verrez à la fin de ce bulletin. Alors pour ce matin, nous retrouverons à l'avant de cette perturbation un ciel variable alternant passages nuageux et éclaircies, des éclaircies beaucoup plus larges qui seront observées sur l'extrême sud-est et la Corse. Pour les températures minimales, on partira de 4 degrés sur Reims pour atteindre les 15 degrés sur Marseille, voire même 16 degrés sur Montpellier. Dans l'après-midi, la perturbation avancera peu à peu. On la retrouvera sur la façade atlantique, y compris sur le bassin parisien plutôt en soirée. Ces précipitations pourront prendre un caractère orageux et on gardera un temps globalement sec sur le massif central. Et puis vous noterez ce vent assez sensible en fin de journée avec des rafales voisines de 60 km/h. Pour les températures maximales, elles sont en baisse sous les nuages avec 14 degrés sur Lille, 21 sur Paris, 18 sur Cherbourg, 22 pour Biarritz et puis on ira autour de 21 pour la Méditerranée. Pour la tendance, ce n'est guère réjouissant puisqu'on gardera ces conditions assez instables avec de fréquentes averses parfois orageuses et même du vent. Seule consolation, les températures qui resteront assez agréables, surtout à compter de mercredi prochain puisqu'on devra avoisiner les 15 degrés sur la moitié nord, 17 en moyenne sur les régions du sud. Donc on sera vraiment dans les températures de saison. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 octobre où nous fêterons les Firmins. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions. Consultez nos répondants, notre site internet. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook Agathe Adim. Passez une excellente journée et à ce soir.